Bonjour à tous. Bonjour. C'est Yannick. Et me voilà de nouveau avec Arnaud pour la troisième fois. Donc Arnaud, on en est un petit peu plus maintenant de 25 heures. C'est ça. Et honnêtement, j'ai l'impression que t'es pas parti. Ah non, alors là, franchement, tu veux pas dire ça. Mais ton visage, pas beaucoup, ouais, mais t'as pas commence beaucoup à accuser le coup. Non, c'est franchement, je suis pas trop mal. Là, je suis au 149e kilomètre. Chapeau. Je vais essayer de faire les 200. Normalement, ouais. Ça devrait passer. Oh oui, je pense que assez tranquille. T'es bien parti. 149e, un petit peu plus de 24 ouais, heures. Ouais. Et peut-être, allez, 250. Oh non, alors 250, je m'étais dit, peut-être c'était faisable, mais là, je crois pas. Non. Je crois pas. On va faire 200, on va essayer de gratter un peu, mais ouais. 250, ça paraît quand même un peu loin, là, à cette heure-là, avec les jambes que j'ai. Je pense que ça va pas le faire. Bon, dis-moi, je suis curieux, comment ça s'est passé la nuit? Eh ben, plutôt bien. C'était très calme par rapport à aujourd'hui, là où il y a le 12h, le 24h qui sont venus se rajouter. Et du coup, il y a beaucoup de monde, la musique et tout. Ouais. Ça rebooste un peu. D'accord. Donc la nuit, un peu longue. J'ai pas mal marché. D'accord. J'ai dormi 3 heures. D'accord. Une fois une heure, une fois deux heures. T'avais prévu de t'arrêter deux. C'était ce qui était prévu. D'accord, super. Donc tout est... On est dans les clous. Ouais. Et voilà, ça se passe d'un point de vue bien. Alimentation, tout pas passe. Mal de vendre, rien. J'ai cette chance extraordinaire de pouvoir manger n'importe quoi en course. Super. Donc avis aux mecs qui font les ravitaux sur toutes les courses que je vais faire. C'est ça. Les choucroutes, les castagnes. Faites-vous plaisir. Bon bah écoute, le moral est là. Voilà, on est là, on profite du soleil, ça fait du bien. Il a vu un petit peu depuis tout à l'heure. D'accord. Ça n'a pas duré. Ça rafraîchit. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien. On a génial. Fait connaissance avec tous les participants du 48 heures. Ouais. Que des gens assez extraordinaires. Parce que souvent, l'appréhension des gens, c'est de se dire, et moi le premier, hein, je connais pas cette discipline, mais de se dire, pendant 48 heures, ou même 24 heures, ou même 12 heures, tourner autour d'une piste, je vais m'enquiquiner. Toi, comment tu vis ça? Bah ça va, mais moi j'ai la chance de pouvoir un peu déconnecter sur le parcours. Donc j'avais aussi un peu cette appréhension de me dire ça va tourner en boucle, j'ai fait un hamster. Ouais. Ça va plutôt bien. Bon dans 10 heures ça va peut-être commencer à être un oui, peu bien dur, sûr. Mais globalement je me sens plutôt bien. Et puis encore une fois on papote, on s'arrête au ravito, on discute avec les gens, on fait connaissance des gens. Super. Encore une fois, j'ai fait des rencontres assez extraordinaires sur ce 48 heures. Génial. Bon bah écoute, je vais te laisser te finir te ravitailler. Ça marche. Je vais aller voir les autres personnes et je te dis à cet après-midi parce que ça je marche. Vais repasser aussi cet après-midi. Ok. Et demain je serai là aussi sur la finish line. Quelques temps avant pour voir cette belle ligne d'arrivée et prendre tes sensations une fois que le 48 sera fini. Ok, ça marche avec plaisir. Ça roule. Avec plaisir. Arnaud, bonne course. Merci. Et puis jusqu'au bout maintenant. Ouais, bon, de toute façon. Ça va le faire. Allez, salut. Salut. C'est quoi que tu manges là? Une semoule, un gâteau de semoule. D'accord. Allez, bon appétit. Merci. Bon, c'est assez bluffant. Hein. Ça fait plus de 24 heures qu'ils sont partis. Et Arnaud a toujours le même sourire. C'est top. Et là, je vois Gérard qui est là et je vais essayer d'aller parler avec Gérard. Je l'ai suivi hier. Gérard qui a 69 ans, qui a fait des distances complètement folles. Je vais aller voir où il en est un petit peu. Comment tu vas? Comment ça va Gérard? Pas plus mal que si c'était pire, c'est une trace. Pas plus mal que si c'était pire. Hein? On continue à marcher un petit peu. Oui, voilà. Je t'arrête pas? Oui, non, pas du tout. Non, non. Je te dérange pas? Non, 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 au contraire. Comment s'est passée cette nuit? Relativement pas trop mal, plutôt bien. Ouais. Les douleurs sont là, ça c'est certain, on ne peut pas s'en débarrasser, on va les avoir jusqu'au bout. D'accord. Et après, il faut gérer ça. J'ai dû faire deux petites micro-siestes. De 3 minutes. Ouais. Et voilà. Ok. Bah écoute, t'as un visage relativement frais quand même. Oui, positif. Ouais, la positive attitude. Ouais, oui, oui. Voilà, faut de la prendre ça, hein, ça. Ouais, c'est ça. Ça donne des ailes. Il n'y a pas besoin de prendre une marque célèbre de boisson pour. Pour arriver à faire ça. Pour arriver d'accord. À faire ça. Ah. Faut venir me voir. C'est ça. Voir. Génial.
Tu sais à peu près où t'en es d'un point de vue kilométrage? Non, t'as toujours pas regardé. Au 24, j'étais à 120. D'accord. T'as quand même parcouru déjà 3 marathons. Là. Oui, c'est déjà pas mal. C'est... Hein, sans entraînement. C'est ça. Et puis il y a presque 70 ans. Oui. Hein, ah, bon. Faut tout remettre dans le contexte. C'est bien meilleur qu'un médicament quand même. Hein. Mais bien sûr, on est d'accord. On est d'accord. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir vraiment que tu acceptes de partager ces quelques moments avec moi. Bien sûr, et puis c'est pour la notoriété d'une organisation qui tient la route quand même. Quand on voit ça, il faut en faire la publicité. Tu te fais plaisir sur cette course? Ah oui, carrément, oui. L'ambiance, les gens, mais c'est surtout dans le milieu quand même de 48 heures, c'est encore un autre comportement. Les 6 heures arrivent. Tu vois déjà que c'est plus du tout les mêmes personnes. C'est ça. Hein ? Les 24 heures arrivent, c'est presque les mêmes personnes que les 48 heures. Ils ont encore un peu à apprendre. D'accord. Bon, génial. Écoute, et d'un point de vue alimentation, comment ça s'est passé cette nuit ? Alors j'ai mangé de petites portions. D'accord. Hein, sans soupe. Café. T'as pas profité du repas organisé non, par le. Non. Si j'avais pu avoir de la purée, oui, hier soir j'avais de la purée, j'ai mangé ça par partie. D'accord. C'est terrible la purée. mais tu sais que la prochaine fois ça pourra certainement pas marcher. Hein. D'accord. Hein, bon, bah écoute. L'estomac ne se retourne pas, donc c'est très bien. Super. Oui. Donc là, c'est que c'est parti sur de bonnes bases. Pour aller au bout et continuer à se faire plaisir encore de nombreux kilomètres. Oui, gentiment. Parce que là, c'est parti sur mon site Facebook en Normandie, donc c'est suivi. Génial. Par les coureurs de 24 et plus. Et ok, tout à l'heure, super. Je me fais interpeller, monsieur Bertin. Ah bah, il me dit, c'est bien toi, le seul qui a fini à 1000 kilos sans dormir, en une étape et en autosuffisance totale. Et il me dit, je l'ai pas reconnu. Et il était avec moi, oui. Bon. D'accord. Hein, pour mettre ça dans le contexte. C'est ça. Déciderais-tu, toi, un organisateur t'appelle, te dit, écoute, je te propose un truc. Viens-tu faire Saint-Malo, Mont-Saint-Michel 7 avec nous? Tu dirais quoi? Bah écoute. Est-ce que tu tenterais l'aventure? Moi, de plus en plus, je suis attiré par ce genre d'épreuve. Pas pour en faire de la performance, mais pour découvrir exactement. Oui. Parce oui. que je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où je peux aller, voilà. comment réagirait mon organisme, oui. La part psychique et mentale de tout ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment le côté qui m'attire. Ouais. Et c'est pour ça que je suis aussi avec toi aujourd'hui, parce que j'ai envie de découvrir tout ça. Oui, voilà, parce que dans tout ce que j'entends, sur les 24 heures et les 6 heures qui viennent d'arriver, ils parlent de chronométrage, de tours. J'ai pris ça à tel moment. Oui. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon. Mais il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de découverte. Oui. On ne parle pas de philosophie, de spiritualité. Et ça donne ça, normalement. Ça doit déboucher sur ça. C'est ça. Hein? Moi, j'avais discuté avec une personne un jour qui m'avait dit, je suis persuadé que quand on part sur des longues distances comme ça, on rentre un peu dans des phénomènes certainement oui. trans un petit peu. Oui. Et je suis sûr qu'il y aurait énormément de choses à développer par rapport à ça. Bien sûr. Dans différents domaines. Et c'est un discours qui m'avait intéressé ouais. et interpellé effectivement. Mais c'est vrai qu'il faut tomber sur les bonnes personnes. Oui. C'est pas non plus dû à tout le monde. Hein. Il faut. C'est en bougeant que tu rencontres à un moment donné une personne. Qui va t'organiser ça, qui va te donner les mots clés, comme on dit. Hein? Ok. Écoute Gérard, je vais te laisser te remettre dans ta course, et puis je viendrai te voir cet après-midi. D'accord. Et puis certainement demain ou dans la soirée, enfin voilà. Toute façon, je serai aussi sur la finish line demain, et je prendrai tes sensations à la fin de la course. À Monaco ou à Paris? Non, ici. Ah oui. Hein? Oui. Non, sur la finish line, je veux dire au moment de l'arrivée des 48 heures. Parce que j'ai fait la no finish line. Oui, et tu me l'as dit aussi. Évidemment, à Monaco. Non, mais je serai à l'arrivée de D'accord. cette course Très bien. Oui, demain oui, aussi. Oui, donc on va se revoir plusieurs fois. C'est plein d'émotions l'arrivée. Hein. C'est ça, j'adore ça. J'adore ça. Ben oui. Tu as encore une bonne allure. Hein. Ça marche bien.
Je te souhaite une bonne course. Oui. Et je te dis à cet après-midi. Bon, merci bien aussi. Allez, à plus tard, Gérard. Bon courage. Bon courage. Merci. Eh bien, Gérard, il va encore bien. Je lui souhaite une bonne continuation. J'aimerais le voir cet après-midi. Il ne faut quand même pas oublier que ces personnes ont passé plus de 24 heures en course. Vous avez entendu les kilométrages. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, je vois plein de clubs aux alentours. Là. Toujours des petits sourires, ça fait plaisir. Et je vois Daniel qui arrive. Daniel qui fait partie de la Team Trail 17. Et lui, il est parti sur le 12h. Et Daniel, il a une solide expérience là-dessus. Et je vais faire... C'est l'organisateur de la course. Et je vais faire un petit brin de vidéo avec lui. Et après, il y a Anne qui est juste à côté aussi. Et Anne, je vais aller papoter avec elle après. Tu préfères les filles. Ah, allez. Tu préfères les filles. Comment ça va, mon Danielito? Ben, ça va avec quelqu'un qui a dormi une heure. Ouais, t'as pas dormi cette nuit? Non, non. Oh. Je me suis resté plus longtemps étendu, d'accord, que pouvoir fermer l'œil. Bon, mais bon, bravo, on fera. Je vais me faire un peu mon relais par rapport aux personnes que j'ai interviewées. Ils sont tous super contents. Et ils disent qu'ils vont vraiment venir découvrir les 12, 24, 48 heures. Je pense que tu vas avoir une bonne presse, mon Daniel, dans les jours à venir. Et je suis content pour toi et pour toute ton équipe. Parce que honnêtement, vous faites un super boulot. On travaille avant tout pour faire plaisir. Pour faire plaisir aux coureurs, quoi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le plus important à mes yeux que la performance en elle-même. Bon, la performance compte aussi, bien sûr, mais surtout que les coureurs se sentent bien. Voilà, ça c'est le, d'accord. Ça c'est le, mon plus gros, mon plus beau. Ta plus belle victoire, on va dire. Exactement. Ok. Bon, tu sais où t'en es un petit peu n'importe où. Je dois être 5e ou 6e. D'accord. Notre copain Sam est un petit peu devant. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Ça galope pourtant là. Ouais, ça galope. Mais bon, là, je me suis arrêté. Oui. Il y avait un problème de puce. D'accord. Le mec, au lieu de prendre le départ à 8h30, il a été sur la route. Il est arrivé dans le d'Auxerre. Donc il a perdu du temps. D'accord. Donc il a voulu prendre le départ à 8h30. Il est arrivé à 10h30. Il m'a demandé s'il pouvait quand même prendre le départ du 12. Ah ben, j'ai dit, il n'y a pas de souci, mais au lieu de faire 12 heures, tu n'en feras que 10. Ouais. Voilà. Tout simplement, alors, le temps d'aller à la chronométrie, remettre ça en route. Voilà. Et oui, double casquette. Voilà, 5-10 minutes de perdu. Voilà. Ouais. Bon, à midi, j'ai un autre truc qui m'attend, encore une dizaine de minutes de perdu. Mais... Bon, c'est pas, c'est une surprise. Hein. Exactement. Et être là avec eux pour tourner. Bon bah super. Voilà. Eh bah écoute mon Daniel, je vais te laisser parce que moi je vais pas faire 12 heures avec toi. T'as raison. Parce que je pense que j'aurai mal aux jambes à la fin. Et je te souhaite une bonne course. Ouais, pas de problème. Et je repasserai cet après-midi. Hein. Ouais, ça roule. Donc je t'abandonne pas, hein, tu le sais bien. Ouais, tout à fait. Allez, à plus tard. Au revoir, à la prochaine. Eh ben, je vais enchaîner parce que il me semble qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Laurent, qui vient de Toulouse. Ça va aller. Comment tu vas, Laurent? Eh bien, ça va nickel. T'as dit vol, tu veux prendre? Parce que je t'ai cherché cette nuit. Oh. Je suis passé un moment, je t'ai pas vu. Ah, j'ai trouvé tout à l'heure. Sur le coup des 11h. Ah ouais, non, je suis allé me baquer. Ah ben voilà, c'est pour ça. Ouais, de 11h à minuit. Non, de 11h à minuit, exactement. De 10h à minuit, je suis allé me baquer. Et quand j'ai fait une bonne nuit. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé... Que tu te sois fait mal ou quelque chose comme ça. Non, on a fini les 12 heures, je suis allé me reposer. Super. J'ai dormi 1h30, tranquille. Et puis c'est reparti. T'as bon visage là. Ouais. T'as un bon visage, ouais. Mais t'as vu. La foulée est encore largement correcte. Ouais, ben là je repars parce que je me suis arrêté 1 heure de nouveau. D'accord. J'ai pris la douche. Tu sais à quel kilométrage t'en es là? J'en suis à 180 et quelques. 180 180,5, oh, donc là je reprends. Eh, les 300, tu vas me les exploser. Exploser, ça c'est pas sûr. Ah. Il faut qu'elle les faire, les savait mort. Il me semble de mémoire que Laurent m'avait annoncé 300 km en objectif. Ouais, normalement c'était 300. Voilà, donc. Donc c'est bien parti quand même. Ouais, normalement c'est bien parti.
Normalement ça devrait. Je vais pas te porter la poisse non plus. Parce que c'est jamais gagné sur les courses ultra, on le sait bien. Tant que c'est pas fini. Tu arrives une connerie de releveur. C'est ça. Problème musculaire X. Et s'il n'y arrive pas de valeur particulière normalement. Au niveau intestinal et tout, comment ça se passe? Nickel. Nickel. Ouais, la nuit était assez clémente, on a eu quelques graines de flotte. Ouais. Donc bon, on a sorti les ponchos et puis on a fait avec. Et voilà. Bon, super. Écoute Laurent, je vais pas te déranger plus longtemps. Ah oui, c'est sûr. Ça marche. Je repasse cet après-midi. Ouais, t'as du monde à voir. Et certainement un petit peu dans la soirée. Allez, super. Et je serai là de toute façon pour ta ligne d'arrivée. Pour voir un peu tes sensations. Pour la ligne de tout le monde. Et moi je suis persuadé que tu vas me passer cette barre des 300 haut la main. Je te porte pas. Je vais pas te porter la poisse, ouais. Mais je le sens bien. Ouais, normalement il reste ça même bon à faire sur 23 heures. Bon, ça devrait être largement. Je le sens bien. Ça devrait être raisonnable. T'as un visage nickel comme si tu venais juste de partir. Et puis surtout que je viens de me taper une bière. C'est cool. Allez, ça marche. Merci. À plus, ciao. À bientôt. Ah, j'ai du bol parce que toutes mes interviews se déroulent nickel, ça enchaîne. Arnaud qui est ici en train de tourner encore. Et puis je vais voir, il me manque un autre Laurent que j'ai pas vu. Il est peut-être parti se reposer. Et je vais essayer de choper Sam. Donc Sam qui court sous les couleurs de la Team Trail 17. Et bon, faut pas lui dire, mais c'est notre champion. Il a un gros potentiel. Donc j'espère pas lui porter la poisse. Mais je vais voir avec lui, je vais essayer de le choper. Allez, à tout de suite. Voilà mon Golgot qui arrive. Voilà. Attends, je vais me mettre à ta droite. Alors mon petit Sam, comment ça va? Bah, ça va pour l'instant. La lueur? Pour l'instant ça va. J'essaye de maintenir. Ouais. Tu t'es calé à combien? Ouais, 5,30. Ouais. J'essaye de pas être en dessous de 5,30, c'est dur. J'attaquerai à partir du centième kilomètre. Exactement. T'as encore le temps de... Ah ouais, ouais. Il y a encore du temps pour gérer tout ça là. C'est ça. Ça fait combien de temps que t'es parti toi exactement? 8h30 ce matin? Ouais, 2h45 à peu près. Ouais, donc c'est que le début quoi. Ah bah oui. On est encore dans le premier quart de la course donc... C'est ça. Ça va, les premières foulées sont ouais. En bonne sensation? Super. Ouais. Oui. T'avais bien récupéré? Ouais. C'est en poule côté gauche. Après on va voir. D'accord. Je viens de m'en occuper. D'accord. Tu t'es arrêté pour la soigner? Ouais, ouais. T'as bien aussitôt, fait. Dès que je sens, bam, je m'arrête. Parce que bon. Après, ça fera encore plus mal. Eh, c'est ça. Donc là, je sens plus rien, c'est nickel. T'as mis quoi, un petit compide? Ouais, j'ai mis une petite strap dessus là. D'accord. Pour protéger. Et puis. Et c'est reparti. Ouais. Nickel. C'est ça. Bon, bah écoute. Je m'hydrate bien. Toutes les demi-heures, je mange un truc. Et puis, ouais. Voilà. Alors, on sommes t'as mis en place après ton petit protocole alimentation. Ouais, c'est ça. 48 heures. Donc, je suis. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'attaquer. Mais... Faut être patient, Sam. Ouais. 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 J'attendrai les deux ou trois dernières heures. Voilà, c'est ça. C'est là que ça va se passer, c'est pas maintenant. Ouais, c'est ça. À mon avis, il faut que tu attendes les 10 heures et puis après. Après, tu me donneras tout ce qui te reste. Non, ça va être super. Bon, génial. Allez, mon Sam, je suis content d'avoir partagé ce moment avec toi. Je repasserai cet après-midi. Et je te souhaite une bonne course. Merci. Allez, ciao. 145. Faut que tu te renseignes pour moi. Hein? On en parlera. Là, c'était pour les coureurs. Oh le branleur, 11 km/h. Bon, Sam, hein. C'est un mordu, quelqu'un qui met tout en place pour que ça réussisse. En plus, il a des bonnes capacités.
Donc forcément, au final, ça fait un bel athlète. Même si pour lui, c'est vraiment presque de la découverte, hein, ces distances-là. Donc on va attendre de voir comment ça se passe. On va attendre de voir comment ça se passe. Ah, l'organisateur Daniel Frisch qui arrive. Après une distance donc en gros de 11 km. Chez les féminines, Pascal Guédon. Et n'est pas loin derrière. Alors, je vais essayer. Il me reste deux personnes à voir. Laurent. Je l'ai vu passer. Et j'aimerais voir Anne-Lise aussi, qui est inscrite, elle, sur le 24 heures. Allez, je vais essayer de les choper et je vous reprends tout de suite. Alors, je vois Anne qui arrive juste derrière moi. Alors, avec Anne, en fait, on est en contact Facebook et on s'est encore jamais parlé. Anne fait du trail et elle fait aussi souvent les 12 heures, 24 heures. 24 heures, oui, ça fait la cinquième fois que je le fais. Cinquième fois, là. Voilà, depuis que les 100 km n'existent plus. Donc je vais quand même continuer à courir sur Royan. D'accord. Comme j'habite ici, donc je suis juste en face, donc je me suis dit, bon, je vais tenter. Même si au départ, je me disais, c'est un exercice un peu bizarre. Un peu particulier. Voilà, et... Tu t'es dit la première fois que t'es venu, en fait ? Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré la première fois ? Alors vraiment, c'est Royan. Honnêtement, d'accord. C'est le fait que ça soit Royan, que ce soit Daniel qui organise. C'est un ami à toi, une bonne connaissance. Voilà, à force de faire les 100 km, oui. On se croise régulièrement quand je m'entraîne. D'accord. Donc je me suis dit, bon, et pourquoi pas, je vais essayer. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très, très sympathique. En fait, on s'aperçoit que c'est pas monotone parce qu'on rencontre des tas de personnes. Ouais. Donc en fait, on discute avec beaucoup, beaucoup de gens. Dont Arnaud qui est ici. Et on se retrouve en fait, c'est un peu toujours les mêmes coureurs qui tournent. D'accord, donc, oui. Donc chaque année, on retrouve un peu les mêmes coureurs. Ouais, c'est souvent ce que me disent les personnes, c'est souvent des copains, des amis. Voilà, donc ça c'est l'aspect sympathique. Et ça permet de toute façon de travailler le fond. Hein. Exactement. Comme maintenant, je suis plus sur la course montagne, effectivement. Ouais. J'ai fait pas mal de bitume et puis maintenant, mais j'en veux plus trop le bitume. Parce que je pense que j'ai un peu trop donné dessus. Oui. Enfin, c'est un peu trop de kilomètres. D'accord. Donc la montagne, c'est... C'est un bon palliatif. Voilà. On voit des beaux paysages aussi. C'est ça. Et puis ça et puis, permet de... j'aime bien grimper, donc... Forcément. Voilà. Bon, on va se rejoindre sur pas mal de points, alors. Voilà. Donc pourquoi pas rejoindre écoute, la team train, hein. avec grand plaisir, tu seras le bienvenu pour faire... Sachant que moi, ma spécialité, c'est pas la descente, mais la montée. Donc, écoute. Mais j'aurais peut-être éventuellement des courses à vous proposer, parce que j'ai découvert cette année à Gourette. Oui. Il y a les 4 heures de Gourette, et en fait, c'est un peu aussi le même genre d'idée que les 24 heures, en fait, puisque on refait la même montée, donc sur 4 heures. D'accord. Le but, c'est de faire le plus de dénivelé possible. Dénivelé positif ou négatif ? Dénivelé positif. Les deux. D'accord, positif. Et on descend en fait en... En télésiège ? Oui, voilà. Non, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Ah, c'est le genre de truc qui pourrait bien me plaire, ça. Voilà, et donc c'est vraiment quelque chose... Vraiment, j'ai trouvé les organisateurs, pareil, ils étaient très très gentils. Et c'est quelque chose à faire. Bon, écoute, voilà. Super. Alors, est-ce que tu as un petit objectif aujourd'hui là ? Je vais essayer d'aller aux 130 km. L'année dernière, j'avais fait 131. 131 km ? Alors. Disons que je cours pas vite. C'est ce que j'allais dire. Je suis à côté d'Anne. Alors, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça aille super vite. Par contre, c'est l'impression de sérénité que tu dégages. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu es dans ton canapé là en fait. Oui, quasiment. En fait, c'est ma particularité, j'ai toujours été comme ça. Je peux courir très longtemps, mais je cours pas vite. D'accord. Voilà. Mais par contre, je suis un peu comme les piles gros de racelle. Gros mental alors. Un gros mental et puis comme les piles de racelle. D'accord. Ça bon. Résiste, elle est pas. Super. Bon, bah, écoute. J'ai mon t-shirt qui vient me soutenir. Ah. Écoute, Anne, je vais te laisser retourner dans ta course. J'étais ravi de faire ta connaissance. Bah, moi de même. Je repasserai de toute façon cet après-midi et à différents moments dans la journée.
Donc je viendrai prendre tes sensations, l'évolution, voir un petit peu comment, tout ça, se passe. D'accord. Et puis je te souhaite une bonne course. Merci beaucoup. Allez, à plus tard, Anne. À plus tard. Je vois Florence qui arrive, Florence que j'ai vue deux fois hier, qui avait un objectif de 200 km. On va aller voir comment ça se passe. Ça a l'air de se compliquer un petit peu plus. Je vais aller voir avec elle. Bonjour Florence. Bonjour. Comment s'est passée cette nuit ? Oh, dur. Dur ? Ouais. Quand je t'ai quitté, tu commençais à... J'ai ressenti une petite période, petite période de doute forcément, ouais. À se dire si j'avais bien géré, si t'avais bien géré ton début de course, si t'allais dormir ou pas. Comment J'ai dormi. T'as dormi Ouais. Mais t'as bien fait. Ouais. T'as dormi combien de temps? Une heure et demie. À 5 heures, j'étais me coucher. Et... D'accord. Voilà, j'avais mis mon réveil 2 heures après et je me suis réveillée toute seule à 6h30. Naturellement. Heures et demie. Voilà. Et après un bon cycle. Ouais. D'accord. T'es reparti un petit peu mieux que, quand tu t'es couché ou... Ouais, ça, franchement ça reste dur. T'as déjà fait une course comme ça? Alors moi j'ai déjà fait du, des ultras. Ouais. Enfin des ultras, oui, j'ai fait des courses assez longues. La plus longue que j'ai fait, elle a fait 44 heures dans les, Pyrénées. Mais c'était pas autour d'un stade, donc c'est pas la même approche. Voilà, non, du tout. C'est ce que je disais là cette nuit aux amis là. Franchement, j'ai fait l'ultramarin au mois de juin et j'ai l'impression que l'ultramarin, à côté de ça, c'est du pipi de chat, quoi. C'est très, très, très dur mentalement. C'est ça. Je pense que mentalement, c'est exigeant. Ouais. Et aussi, il y a une grosse différence, c'est-à-dire qu'en trail, l'ultramarin, c'est une sorte de trail, hein, on va dire ça comme ça. Tu as quand même des variations d'allure. Des moments où tu peux te permettre de marcher, des moments où tu vas courir. C'est pas le... T'as un ravitaillement tous les 15 ou 20 km, ouais, donc voilà. Ça te donne un point précis à aller chercher. Tandis que là, tu l'as tous les kilomètres. Oui. Et au final, je pense que tu dois errer un petit peu, vagabonder. C'est ça. Et du coup... T'as les barrières horaires aussi, que là, franchement, t'as aucune contrainte. C'est ça, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc c'est que toi qui te pousse à aller plus loin que ce qui est... Franchement, mentalement, c'est très dur. Je m'attendais pas à ça. Alors moi, tu vois, on a le copain là, de la Team Trail 17 avec la casquette blanche, là, Sam, qui a déjà fait pas mal d'ultra, des distances très longues. Et du coup, il m'avait dit, Yannick, comment tu verrais un peu la préparation? Et en fait, moi, je lui ai dit, tu sais, Sam, c'est complètement différent du trail. Ouais. Et à mon avis, il faut travailler l'allure de course, l'allure à laquelle tu veux progresser ce jour-là. Parce que même si elle n'est pas rapide, musculairement, ça doit être très différent. Oui, il faut vraiment... Et je pense que c'est ce qui était en train de vivre à l'heure actuelle. Oui, et je pense que, franchement, si je peux donner aussi un conseil, c'est apprendre à tourner en rond, quoi. Aller s'entraîner sur un stade et courir pendant 3 heures autour du stade. C'est ça. Faire ce qu'on appelle vraiment le spécifique, ouais. Comme on fait en trail, et ben là, il faut aussi le faire, je pense, quand on s'engage sur des courses comme ça, 12, 24 ou 48 heures. Parce que même si au final, il y a beaucoup de gens qui se disent « bon, ça rime pas grand-chose », je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient surpris de la performance de certains des athlètes qui sont alignés. Je suis la première à le dire, c'est des grands malades. Moi, je suis un bébé, hein, pour eux, ils ont tous une expérience incroyable. Ben, c'est des grands malades. Hein. Mais moi, je suis... Voilà, tu fais partie des belles rencontres que j'ai fait hier. Parce que t'as pas d'a priori, tu viens, tu testes, tu te rends compte par toi-même de ce que c'est, et ça fait du bien des personnes comme ça. Oui, hein ouais, bah, de toute façon, on peut, voilà, faut que essayer faut pour avoir savoir un peu d'ouverture d'esprit. Voilà. Génial. Et voilà, c'est ce que je disais, je dis pas que j'en ferai plus, oui. Mais c'est vrai que je me préparerai différemment encore, tout parce que je me rends compte que, oui, c'est une sacrée préparation finalement. Bon. Alors dis-moi, pour revenir à hier, tu me disais j'aimerais bien faire à peu près 200 km. T'en es où? Est-ce que tu crois que c'est toujours atteignable? Non, je pense pas. Ça va être compliqué? Ouais, ça va être très compliqué. Tu sais où t'en es en kilométrage? 105. 105 km, d'accord. C'est faisable encore. Hein. C'est encore faisable. Ouais, ouais, ouais.
Et sachant que les femmes, elles ont un gros mental. Donc voilà, tout dépendra, ouais, la journée comment elle se passe, le début de nuit comment elle se passe. C'est ça, il reste encore la météo qu'on aura aussi, parce que cette nuit on s'est pris de la flotte. Il fait chaud là. Hein. Là il fait hein chaud il en fait plus. Chaud. Hein. Bien pensé. Donc voilà, ça. En fait sur cette course, rien n'est joué. Tant que c'est pas fini. Tant que c'est pas fini. C'est franchement, ça. C'est. Je pense que cette nuit, il y aura des gros écarts. C'est ça. Dernière petite question d'un point de vue alimentation, commenter d'un point de vue gastrique, tu te ça sens va. Bien t'as pas tout eu va de... bien de ce côté-là. T'as pas eu de soucis? Non, bon. Non, non. Déjà, quand ça va bien là, ouais. C'est quand même, tu peux amener du carburant à la machine. Voilà. Donc, c'est un point très positif. C'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi, parce que c'est vrai qu'ici, on a des repas, que sur une course oui. De longue distance, bah, on n'a pas forcément... T'as pas ça. T'as voilà. Des ravitaillements des fois avec un petit peu plus de consistance avec des pâtes ou des oui. Choses comme ça. Mais effectivement... Donc c'est quelque chose que j'appréhendais, mais finalement ça se passe bien, donc c'est okay. Bien. Bon, bah super. Je vois qu'on croise Laurent, je vais aller voir Laurent. Oui. Écoute Florence, je te souhaite une bonne course. Merci. Je repasserai cet après-midi, certainement en soirée. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour te voir lever les bras sur la ligne d'arrivée. Ah, super. Et bien sûr, prendre tes impressions rapides suite à ce moment, je pense, qu'il va rester un grand moment pour oui, toi. Oui, ah, c'est ah. Sûr. C'est quoi qu'il arrive. Oui. Une belle aventure humaine et sportive. Oui, voilà. Je te souhaite une bonne course. Merci beaucoup. Profite bien. Ouais. Et puis, on se dit à cet après-midi. À cet après-midi, merci. À plus tard, Florence. Et on voit Arnaud qui est reparti à courir. Petite allure régulière, impeccable. Allez, Arnaud, super. Et voilà, je suis avec... Laurent, que j'avais déjà vu par deux reprises hier. Et Laurent qui court. Voilà. Comment ça va, Laurent? Ça va. Ouais. Hier, quand je t'ai vu sur le coup des 11h minuit, là, t'étais bien, t'étais en forme. Ouais. Je dirais peut-être le plus en forme de tous ceux que j'avais interviewé dans la journée. Oui. Comment oui. Ça se passe? J'ai eu un petit coup de mou. Ouais. J'ai dormi 2 fois 10 minutes. Ce matin, j'ai dormi 2 fois 10 minutes. D'accord. Sur la table. Je suis reparti. Et puis, voilà, donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu sais où t'en es rendu d'un point de vue kilomètre? J'ai 143. Super. 143 kilomètres. Bravo. Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme objectif? Au moins faire mieux qu'il y a 2 ans. T'avais fait combien? 289. 289? Ouais. D'accord. Donc ça reste atteignable? Ouais, je sais pas. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Je sais pas, on verra bien. Toi. Ouais, voilà. Ouais. Après, il peut se passer encore pas mal de choses. Oui, oui. C'est ça. Oui, ça peut encore. Les jambes? Comment bah, tu. Ça va? Ça ouais. Va les jambes. Pas d'ampoule? Non, j'ai pas d'ampoule. D'accord. Ouais, j'ai un peu mal aux jambes, c'était normal. Oui, mais... C'est normal, ouais. Tu viens de courir plus de 3 marathons. Ouais, après 24 heures de course. Sincèrement, c'est... Il y en a qui se battent pour en faire un seul. Oui, hein oui. Donc... Après, chacun se fait plaisir. Exactement. À sa façon, dans la distance qu'il veut. Non, mais c'est... C'est... Super. Je pense que c'est de se faire plaisir. Et d'un point de vue alimentaire, comment ça se comment ça se passe? Jamais été emmerdé. Là, d'accord. Franchement, je suis très bien. J'arrive à avaler ce que je veux. Alors, donc c'est peut-être pour ça que j'ai des jambes. Peut-être aussi. Et oui, souvent quand ça se passe bien d'un point de vue de l'alimentation, c'est bien. Après, ça met, on peut emmener du carburant ouais, voilà, à la machine, comme on dit. Mais bon. Bon. Bon, bah écoute, génial. Je suis content pour toi. Moi, je vais repasser cet après-midi. Ouais, si tu veux, ouais. Et puis, on verra le. Voilà. On fera le point, l'évolution. Et j'espère que tu auras toujours le même sourire, que tu as toujours la même allure et que tu te rapprocheras de ton objectif. Oui. Voilà. Et puis après, si tu l'atteins, bah, tant mieux. Et si tu ne l'atteins pas. Et eh ben, c'est pas bien grave au final parce que t'auras passé un grand moment.
Et en tout cas, moi, ça m'aura eu le mérite de te faire rencontrer. Et voilà, t'es vraiment un super gars. Ok, bah, je te remercie pour tout. Merci, Laurent. Il n'y a pas de quoi. Et puis, à cet après-midi. Ouais. Allez, bon courage. Ouais, merci. Bonne course. Ouais, merci à toi aussi. Alors, je vais faire ma dernière interview pour ce matin. J'ai rencontré un marcheur d'un club proche de chez nous, Club d'Aigrefeuille, un grand club. Et alors, je suis super content, c'est un marcheur, mais par contre, pour moi, pour arriver à le suivre, il va falloir que je me mette en course. Parce que sinon, je ne marcherai pas aussi vite que lui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yannick. Ouais, je m'appelle Gérard. Enchanté. Je suis coach marche athlétique au Club d'Aigrefeuille. D'accord, voilà, ok. J'ai amené 5 athlètes sur la compétition aujourd'hui. Tous en marche ? Tous en marche, ok, ouais. Super. Ouais, ouais, voilà, une alors, discipline ouais. Qui nous va bien. Le club d'Aigrefeuille, je connais bien parce que je suis votre actu. Ouais, bah oui. Je suis votre actu, voilà, par les pages Facebook interposées. Ouais, un des plus gros clubs de la région quand même. Voilà, tout à fait. Ouais. Non, non, le club des Verts, et puis, ouais. Et puis voilà. On se trouve sur toutes les compètes, hein, les Verts. C'est ça, ouais. C'est ça. Avec de... Il y a quelques beaux résultats chez vous tous les week-ends. Tous les week-ends. Ouais. C'est top. Voilà. Et puis bon, bah moi cette année, je suis venu, on va dire, en promeneur sur le 12h. Hein. D'accord. L'année dernière, j'avais fait le 48h. D'accord. Où je finissais deuxième. Combien t'as cumulé en 48 heures de marche l'année dernière ? 271 km 704. Ouais. C'est complètement fou. Oh. C'est hallucinant. Ça te fait une moyenne de combien ? Oh, t'as calculé, non ? J'avais calculé, ouais, avec les arrêts, ça fait une moyenne à 6,7. Bon, ce qui est raisonnable. Voilà, aujourd'hui, je sais pas, là. Bon, je suis venu un petit peu en promeneur, mais bon, on devrait pouvoir passer la barre des 84. D'accord. Sans problème. Ok. Sur 12 heures, bon. Après, bon, je suis un adepte de Royan. Je suis venu déjà faire plusieurs fois les 24 heures ici. Plusieurs fois, premier, deuxième. Je t'ai déjà croisé. Ouais. Et par contre, je me dis... Parce que c'est encore une discipline que je connais encore moins, ouais, hein, la marche. La marche, hein, ouais. Même si voilà, tout le monde connaît Johan Diniz. Et puis, ah bah oui. Moi, je reste pas fermé sur mes positions et j'aime découvrir un petit peu tout ça. Ouais. D'un point de vue, je me suis toujours dit, alors musculairement, j'imagine que c'est très exigeant, mais d'un point de vue articulation et tout ça, bon. Est-ce qu'on se blesse plus qu'en course à pied non. Ou est-ce que... Sur de l'endurance, non. D'accord. Sur des grandes courses de fond comme ça, non. On va plus se blesser quand on fait vraiment de la vitesse. D'accord. La vitesse sur piste, là, c'est un peu traumatisant au niveau des hanches. Alors, on fait des... Quand on veut se préparer en marche athlétique, oui. On fait des séances de fractionnés sur piste. Ah oui, des séances de fractionnés avec des 100 mètres, 400 mètres, des 1000 mètres. D'accord. Moi, mon record personnel, bon, il n'est pas terrible, hein, mais sur 5000 mètres, je suis à 29 minutes 50. D'accord. Ouais. Ce qui fait un petit peu au-dessus de 10, bon. C'est ça. C'est pas notre Johan Diniz, mais bon. Oui, non, non, mais... À mon petit niveau, je me plains pas. Hein. Ça fait combien? Pour un petit garçon qui va avoir 53 ans cette année. Ça fait combien? Ouais, tu les fais pas. Ouais, merci. Ça fait combien de temps que tu pratiques la marche athlétique? Je me suis mis à la marche à l'âge de 42 ans. D'accord. C'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Une dérive après de la course à pied ou... Non, même pas. Pas du tout? Même pas. Ancien... Avant, j'étais plutôt vélo. D'accord. Et puis bon, bah, je me suis découvert la marche et puis depuis, ça a été une grande passion. Et puis surtout les longues distances. D'accord. Si ça fait pas la longueur d'un marathon, c'est pas intéressant. D'accord. Il faut au moins 100 km pour que ça passe. Et pourquoi? Pourquoi? Ben parce que, en fin de compte, quand on arrive à un certain âge, faut dire qu'on est des diesels et on va mieux dans la durée que d'accord. Sur de la vitesse. Voilà un petit peu et bah, le écoute... parcours. Et puis là, bon, ben ma foi, avec une météo clémente, bon, un petit grain de temps en temps ouais. Qui nous refroidit, ça va. Parce que bon, on a moins chaud qu'à dos. Ok, c'est ça. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir accordé ce petit moment. Je repasserai cet après-midi. Ouais, et puis, j'aimerais peut-être te faire un petit coucou. Ah, pas de soucis. Bon, allez, bonne continuation. Merci. Merci. Bon courage. Merci. Merci.